Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter le secret de Samantha sur la mob de Shinonuma de Zombie Vanguard. Alors c'est un secret qui va vous permettre aussi d'activer une musique secrète et ça va vous permettre d'obtenir des munitions max quand vous le désirez. Alors pour réaliser ce secret, il faudra aller dans la cabane de pêche, donc voilà là où il y a le piège avec les deux troncs d'arbres. Ensuite vous allez dans la cabane au fond. Et vous allez devoir tirer sur des assiettes qui sont accrochées au mur. Donc vous entrez dans cette pièce et il y a un total de 4 assiettes. Donc il y a une assiette ici, hop, vous tirez dessus. Ensuite il y a une assiette ici, vous tirez dessus. Ensuite il y a une autre assiette qui se trouve là et une autre assiette qui se trouve là. Quand vous avez tiré sur les 4 assiettes, il y a une poupée de Samantha qui va apparaître ici. Donc vous appuyez sur carré. Attendez, parce que le zombie va me tuer, ça continue. Vous appuyez sur carré sur la poupée de Samantha. Et normalement, vous allez pouvoir la récupérer. Donc si ça marche pas, vous tirez dessus et vous appuyez sur carré plusieurs fois. Mais à un moment donné, vous allez pouvoir la récupérer. Je pense que c'est un bug. Il faut peut-être bien se placer pour la récupérer. Ah ben voilà, là, ça l'a récupéré. Donc il faut tirer dessus une fois dessus. Il faut tirer une fois dessus et ensuite... Et ensuite, appuyez sur carré pour interagir avec. Quand vous avez interagi avec, vous allez près du pont. Juste ici. Et là, vous allez voir qu'à un moment donné, la poupée de Samantha va apparaître sur les piliers du pont. Donc, on va attendre qu'elle apparaisse. Alors, j'ai l'impression qu'elle n'apparaît pas. Donc, je vais passer la manche. Peut-être qu'il faut que je fasse ça. Et on va voir si elle va apparaître. Ok, voilà. Elle est apparue. Donc, il faut bien attendre une manche. Enfin, il faut passer la manche, j'ai l'impression. Il faut attendre longtemps. Ensuite, vous allez devoir tirer sur toutes les poupées de Samantha qui apparaissent. Voilà. De toute façon, elle apparaît que sur le pont. Ok, donc quand vous avez tiré sur toutes les poupées, vous allez entendre un petit bruit disant que c'est fait. Ensuite, vous retournez près de la poupée qui était juste ici. Et là, vous allez tout simplement interagir avec. Alors comme tout à l'heure, n'hésitez pas à tirer dessus. Voilà, j'ai appuyé plusieurs fois sur carré. Ensuite, il y a une main de zombie qui va la prendre. Là, ça vous donne un munition max. Vous n'êtes pas obligé d'interagir avec la poupée de Samantha. Vous pouvez garder la poupée de Samantha ici, qui est en train de tourner. Et appuyer sur carré uniquement quand vous avez besoin de munitions. Et à ce moment-là, il y a une musique secrète qui va s'enclencher normalement. Je vais regarder dans les paramètres. Je vais mettre la musique à fond. Oui, effectivement... On peut entendre la musique de Samantha qui est en train de se jouer. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace!